وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Chers frères et sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa volonté, il nous a permis de continuer ces cours d'explication du Coran. Le Coran, c'est le livre le plus important auquel nous devons donner notre temps et qui mérite le plus d'être expliqué et d'être compris pour être mis en pratique. Car le Coran, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la parole d'un grand homme de ce monde qui aurait laissé des conseils après lui, ni d'un roi de ce monde parmi les créatures, mais c'est la parole du Créateur, subhanahu wa ta'ala, celui qui possède les cieux et la terre. Il nous incombe dans ce cas-là de comprendre ce message qui nous a été envoyé. Le Coran, il est pour les vivants, il n'est pas pour les morts. Beaucoup de gens, maintenant, mettent le Coran pour les morts, alors que ce Coran, il est descendu pour les vivants, pour que les vivants le lisent, le comprennent, le mémorisent, et le mettent en pratique, et le transmettent. Il y a dedans les nouvelles du passé et du futur. Le Coran nous explique comment connaître notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, à travers ses signes distincts, ses signes et ses créatures. Il y a dedans des règles pour régir la société, pour régir l'humanité, pour régir la personne en elle-même, sa moralité, pour les adorations, tout le bien pour l'humanité, pour celui qui s'y attache. Donc si on a compris cela, on donne toute l'importance que le Coran mérite. C'est la parole d'Allah. Combien de sens la parole d'Allah renferme ? Des sens incroyables, innombrables, des profondeurs, des secrets que chaque mufassiri, il ouvre peut-être un petit cadenas et un autre petit cadenas. Combien de mufassiri nous ont fait du tafsir et encore d'autres ils vont venir en se basant sur les paroles des anciens, des pieux prédécesseurs, ils vont encore développer des sens que peut-être personne n'aurait ouvert les yeux dessus. Parce que la parole d'Allah est profonde, subhanahu wa ta'ala. Le Coran, on ne dit pas qu'il a une face cachée, une face visible, comme ils disent le Batiniyya, qu'il y aurait des sens cachés dans le Coran que seulement certains grands soufis peuvent comprendre. Pas du tout. Alhamdulillah, le message du Coran est clair. Mais dans la profondeur des sens, il y a toujours des sens plus précis que l'on peut trouver avec le temps, ou des choses que dans la vie, selon l'évolution de la vie des gens, on trouvera que le Coran, il a été comme s'il avait été révélé pour cette époque. À chaque époque, il est approprié. Et à chaque époque, on va en comprendre certains sens propres à certaines choses ou certaines situations qui sont autour de nous. Car le Coran, il est fait pour tous les hommes, dans tous les lieux, à toutes les époques, dans toutes les situations, jusqu'à la fin des temps. On est arrivé à Sourate Al-Buruj. Al-Buruj, ce nom il a été donné selon le premier verset de cette sourate, « Wassama idhat al-Buruj ». Ils l'ont traduit par les constellations, les étoiles. C'est une sourate pré-égyrienne aussi, « Makkiya ». On avait dit que certains savants avaient fait l'effort de classer les sourates dans l'ordre de révélation. On avait dit que sur ça, il peut y avoir quelques divergences, mais c'est juste une idée qu'on peut avoir à peu près à quelle époque, dans quel ordre elle a été révélée. Donc, sourate al-Buruj, dans l'ordre de révélation, elle a été révélée en numéro 27. Donc, bismillahirrahmanirrahim, on en a déjà parlé, al-basmala. Et al-basmala, elle n'est pas présente juste pour sourate al-Tawbah. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a apprise, l'a enseigné, et les sahaba nous l'ont transmis. Radiallahu anhum.
Non pas comme certains disent, certains communs des gens, les djinns ils ont volé la basmala, ça s'est répandu dans certains pays arabes. Non, ya Allah Ta'ala il a préservé ce Coran, c'est la parole d'Allah. Les shayatins ils ne peuvent s'en approcher, ni même l'altérer, ni en faire quoi que ce soit. Ou bien comme d'autres disent, surat al-tawbah, il n'y a pas de basmala parce que c'est surat al-saif, parce que dedans il y a le saif, il y a l'épée, le combat fi sabilillah, il y a le fait que c'est contre le mushrikin. Non. Au contraire, le combat fi sabilillah, c'est là où on a plus le besoin de la baraka. C'est là où on a besoin de prendre la bénédiction et l'aide dans le nom d'Allah. De dire bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est une des adorations où on a le plus besoin de l'aide d'Allah. Donc tout ceci est faux. La seule raison pourquoi il n'y a pas le basmala, c'est que c'est comme ça que ça a été révélé. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité. Et c'est comme ça qu'il l'a enseigné aux sahaba et c'est comme ça qu'ils nous l'ont transmis. Non. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. Allah Ta'ala, comme on a déjà précisé, toutes les sourates par lesquelles on passe dernièrement, c'est des sourates où Allah jure par ses créatures. Et on a expliqué la semaine dernière les sagesses de cela. Donc Allah, il jure par le ciel, dans lequel il y a ces constellations, ces regroupements d'étoiles, qui sont un des signes d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et il y a en cela des signes de la grandeur d'Allah, de sa puissance. Comment il a embelli ce ciel d'étoiles, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas par hasard, bien sûr, c'est une beauté qu'Allah a voulu. Et aussi, alhamdulillah, comme vous savez, les navigateurs et les voyageurs, ils se servaient de la carte du ciel et des étoiles pour se repérer dans le voyage. Et les musulmans, d'ailleurs, ont excellé dans ce domaine et c'était des très bons astronomes, pas astrologues, hein. Astrologue, c'est du shirk, c'est du sihr. Astronome, c'est-à-dire la connaissance des étoiles et de leur position dans le ciel. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a juré par cette créature. On a dit que quand Allah tabaraka wa ta'ala jure par une créature, c'est pour diriger vers la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la grandeur et la complexité ou la beauté ou la place que a cette créature dans l'univers. Et al-buruj, car en arabe, c'est une construction élevée. Et ici, al-buruj, parce qu'elles sont en hauteur. Comme maintenant, vous entendez les constructions. Burj, Fulan, gratte-ciel, gratte-ciel, ils les appellent Burj. Parce qu'ils sont élevés. Non. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a juré, moi, l'yawm il-maw'oud. Et par le jour promis. Quel est ce jour promis? C'est Yawm al-Qiyam. Où chacun sera rétribué selon la promesse d'Allah. C'est pour ça qu'on dit Yawm al-maw'oud. C'est le jour où la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle va être effective. Ceux dont il a promis qu'ils auraient le paradis, ils vont l'avoir. Ceux dont il a promis qu'ils auront l'enfer, ils vont l'avoir. Ce jour dont tous les prophètes, alayhim salatu wassalam, sont venus nous rappeler de sa grandeur, de sa dangerosité. Ce jour où tout le monde aura peur. Le jour où l'enfant aura les cheveux blancs. Le jour où la femme enceinte va perdre l'enfant. Le jour où la femme qui a allaité, elle va délaisser l'enfant qu'elle a allaité. Ce jour où chacun dira « Nefsi, Nefsi ». Le jour où la personne elle est prête à vendre l'humanité entière, ses proches, ses parents, ses enfants, pour se sauver et pour s'affranchir du feu de l'enfer. Comme nous avons créé la première création, nous allons la recommencer. C'est une promesse de notre part qui nous incombe. Donc c'est ça la promesse. C'est qu'Allah va refaire vivre toutes ces âmes qui sont mortes pour le jour terrible, le jour où chacun rendra des comptes, le jour du jugement dernier. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ et par le témoin et ceux dont on témoigne. C'est tous ceux qui vont témoigner le jour du jugement dernier. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et on te ramènera à toi, au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur cela comme témoin. Donc ce jour-là, les prophètes vont témoigner. N'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir témoigner pour ou contre les gens qui l'ont suivi ou qui lui ont désobéi. Et les prophètes vont témoigner. Et la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va témoigner. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de cette communauté. Et c'est comme cela qu'on vous a fait la meilleure. Wasat c'est adla, fadla. La meilleure, la plus juste des communautés pour que vous soyez témoins, shuhada ala nas, sur les gens. Et que le messager soit, lui, contre vous, témoin. Et Allah tabaraka wa ta'ala va honorer cette communauté au Qiyam en la faisant témoin contre toutes les communautés précédentes. Quand la communauté de Nuh va démentir son prophète, alayhi salam, vont dire non, il ne nous a jamais rien transmis. Il n'a pas fait son travail.
Alors Allah Ta'ala est témoin, il le sait. Mais pour nous honorer, quand Allah veut honorer la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les croyants parmi la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette position terrible, imagine-toi au jugement du monde entier, de l'humanité entière, où tout le monde a peur. Et Allah, il t'honore, il te prend comme témoin. Est-ce que ça, c'est pas un honneur? Donc c'est pour honorer cette communauté qu'Allah Ta'ala, il l'a prise comme témoin. Pas parce qu'il a besoin de son témoignage. Allah, il est témoin de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Et il a des anges qui témoignent. Et les membres de la personne, ils vont témoigner. La terre, elle témoigne. Toute chose va témoigner. Donc Allah n'a besoin du témoignage de personne. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, est juste. Donc il va faire témoigner la personne contre elle-même. Il va faire témoigner les gens contre cette personne. Et Allah, il suffit comme témoin. Subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il est juste, subhanahu wa ta'ala. Mais, ce jour terrible, parmi les communautés, Allah, tabaraka wa ta'ala, a choisi cette communauté pour être témoin. Donc quand ils vont démentir Nuh alayhi salam, quand ils vont démentir Ibrahim alayhi salam, tous les prophètes et messagers, alors Allah tabaraka wa ta'ala va prendre ces communautés comme témoins. Ils vont dire oui, ya Allah, on a lu dans le Coran et on a lu dans le Coran, on a appris dans la sunna de ton prophète alayhi salat wa salam, comment Nuh alayhi salam, il a appelé son peuple, ils l'ont traité de menteur. Comment tel messager a appelé son peuple, ils l'ont traité de menteur. Et là, Tout cela sera un témoignage contre eux le jour du jugement dernier. Et les témoins, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ, même leur langue, leurs mains et leurs pieds, ils vont témoigner contre eux de ce qu'ils faisaient. Il n'y a pas moyen de s'enfuir. Les anges qui écrivent les œuvres sont là. Les membres, ils témoignent. Les gens témoignent. La terre témoigne. Tout témoigne. Il n'y a aucun moyen de fuir ce jour-là. C'est pour ça qu'il faut craindre ce jour où tout sera divulgué, même tout ce qui est caché, sauf si Allah cache par miséricorde pour les croyants leurs péchés et leur fait miséricorde, il les rentre au paradis par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Donc Allah, il jure par les témoins pour la place énorme qu'ils vont occuper le jour du jugement dernier, d'être témoins dans ce moment difficile, dans ce jugement terrible. Quel est aussi l'intérêt de cela? Est-ce que n'importe qui peut être témoin dans des faits graves? On prend témoin que des gens de confiance. Donc ça, c'est pour montrer la valeur du témoin. C'est-à-dire, on a fait témoigner la Ummah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans cette Ummah qu'Allah Ta'ala, il a donné la confiance. Leur témoignage, il est valable. Donc ça montre, subhanallah, comment Allah Ta'ala a préféré cette communauté à toutes les communautés. Walhamdulillah qu'il nous a fait de la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Wa mashhoud. Ce dont on doit témoigner, c'est justement ce qui se passe au jour du jugement dernier. Ce dont on témoigne, c'est quoi? C'est tous les actes qui sont présentés, toutes les œuvres qui sont pesées. Yawm al-qiyamah. Naam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en parlant de ce jour-là, voilà un jour où les gens seront réunis, et voilà un jour sur lequel on va témoigner. Dans ce sens, c'est un sens. Dans l'autre sens, mashhoud a grande influence. Il y aura beaucoup de gens qui y participent ce jour-là. Car tout le monde sera là, des premiers aux derniers. Donc Allah, il jure par ces choses-là. Pourquoi? Pour cette phrase qui va venir après. Qutila ashabul urdud. C'est une dua contre un peuple. Qui est ce peuple? Ashabul urdud. Donc Allah Ta'ala lui-même fait dua contre eux. Que périssent les gens de l'urdud. L'Ukhdoud, c'est traduit par les tranchées. Comme il est venu dans des hadiths et comme les historiens disent, ça s'est arrivé un petit peu avant la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des gens dans une région au nord du Yémen, proche de l'Arabie. Il faut savoir qu'au Yémen, il y avait ce roi, il y a un roi dont on va parler. Après cela, il y a les chrétiens d'Abyssinie qui se sont installés au Yémen. Ils ont envahi le Yémen. Et ils ont instauré comme religion d'État la chrétienté. Donc au Yémen, il y avait beaucoup de chrétiens, après cela, après l'histoire de l'Ukhdoud. Des chrétiens, des juifs et des associateurs. Mais surtout des chrétiens, car ils étaient sous l'emprise du roi de l'Habasha, Najashi. Donc c'est à cette époque-là, justement, où ils étaient sous les chrétiens, qu'il y avait ce Abraha, qui est venu avec un éléphant pour détruire la Kaaba. Pourquoi ? Il était jaloux de la Kaaba. Tout le monde allait faire le pèlerinage là-bas. Il a fait une grande église. Il a dit, les gens, ils vont faire le pèlerinage ici. Les Arabes, ils donnaient beaucoup d'importance à la Kaaba. Ils étaient polythéistes, mais ils avaient gardé ça de la religion de Ismaïl, alayhi salam. Donc, un Arabe, il a fait quoi?
Il a sali son église. Il a uriné dedans, il a fait ses besoins dedans, il a tout fait dedans. Il était trop énervé, il voulait se venger. Il a dit, quel est l'endroit ou la chose que les Arabes respectent le plus? Ils ont dit, c'est la Kaaba, à la Mecque. Donc, il a décidé d'aller détruire la Kaaba. Et c'est l'histoire d'Elfil. Il a été avec l'éléphant pour détruire. Et il a rencontré le grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a volé ses chameaux. Il lui a dit, rends-moi mes chameaux. Il a dit, moi, je vais venir détruire votre maison sacrée. Et toi, tu me parles de ces chameaux. Lui, il a dit, la maison, elle a un seigneur qui va la protéger. Moi, je suis responsable de mes chameaux, rends-moi mes chameaux. Et comme on connaît toute l'histoire, Allah Ta'ala l'a raconté dans Sourate Al-Fil. Il les a détruits avec des pierres. Ils étaient comme de la paille mâchée à la fin. Non. Donc, cette histoire de l'Ukhdud, elle est arrivée avant cette époque. Juste avant cette époque où c'était les chrétiens qui étaient installés au Yémen. Il y avait un roi, un tyran, qui était dans cet endroit-là. Et ce qui régnait au Yémen, c'était la sorcellerie. Et l'adoration des sorciers, des devins. Et les rois, ils travaillaient avec les sorciers pour soumettre leur peuple à eux. Donc avec la torture, avec la peur, avec les sorciers, ils faisaient en sorte que les gens, ils les craignent. Donc ils leur obéissent. Et cette histoire, elle est racontée dans un hadith sahih, un long hadith, l'histoire du roulam, du jeune homme. C'est cette histoire qui est liée avec l'histoire de l'Ukhdud. Le roi avait un grand sorcier qui était toujours le grand sorcier du roi. Ce grand sorcier était âgé. Il lui fallait un héritier. Donc il cherchait dans les enfants du village ou de la ville plutôt, ou plutôt dans les enfants de l'empire du roi, l'enfant le plus intelligent qui pourrait être le disciple de ce sorcier pour le remplacer après sa mort, pour qu'il y ait toujours un sorcier qu'il soit au service du roi. Mais en réalité, le sorcier, c'était eux qui décidaient. Le roi, il n'était que là pour obéir aux sorciers. Le vrai, vrai dirigeant de ces empires-là, c'était les sorciers. Donc, ce sorcier-là, ils ont présenté des enfants. Ils ont trouvé un enfant intelligent. Et ils l'ont mené chez lui. Cet enfant, il apprenait la sorcellerie auprès de lui. Et il retournait chez ses parents. Sur la route, en retournant chez ses parents, il a rencontré un ermite. Une personne recluse. Cette personne, elle lui a parlé d'Allah. Elle lui parlait de la foi. Elle lui a parlé de la gravité de la sorcellerie. Que c'est inutile, c'est vain, etc. Cette personne, cet enfant, avec le temps, qu'est-ce qu'il faisait? En rentrant du sorcier à chez lui, il passait chez l'ermite. Et en allant de chez lui à chez le sorcier, il passait chez l'ermite. Et si le sorcier lui disait « Pourquoi tu es en retard ?» Il dit « C'est ma famille qui m'a retenu. » Et si sa famille lui dit « Pourquoi tu es en retard ?» Il disait « C'est le sorcier qui m'a retenu. » Il cachait sa foi, car il était persécuté. Et après, à force des enseignements du tawhid, du monothéisme pur, c'était quelqu'un qui était un muwahhid sur la religion de Isa alayhi salam. Il n'était pas chrétien, car Isa n'était pas chrétien, ni Ibrahim, ni personne. Il était musulman, musulman, soumis à Allah. Donc lui, il était sur le tawhid, il était sur le hanifiyya, la religion d'Ibrahim, ou bien sur la religion de Isa alayhi salam, non falsifiée, où il adorait Allah seul. Alors il lui a enseigné le tawhid, et alhamdulillah, la lumière du tawhid est rentrée dans le cœur de cet enfant. Et un jour, alors qu'il s'en allait vers le sorcier, une grosse bête, elle barrait le passage aux gens. Et il a dit, je vais voir aujourd'hui laquelle des deux sciences que j'apprends est la plus juste. Il a dit, ah Allah, si la science la plus aimée chez toi est celle que j'apprends chez l'ermite, dégage cette bête de la route des gens. Et effectivement, Allah l'a exaucé, subhanahu wa ta'ala, la bête a été dégagée, les gens ont pu passer. Les gens, alors, à partir de ce moment-là, ont vu que ce jeune homme avait la foi et que ses du'as étaient exaucés. Donc, les gens venaient le voir. Ils disaient, guéris-moi. Ils disaient, ce n'est pas moi qui guéris. Crois en Allah et j'invoquerai Allah pour qu'Allah te guérisse. Comme ça, il a appelé les gens à la foi. Et il leur expliquait que ce n'était pas lui qui guérissait. Il invoquait Allah pour eux. Allah, il les guérissait. Jusqu'à ce que le ministre, un des ministres du roi qui était aveugle, il a été le voir. Il a dit, guéris-moi. Il a dit, ce n'est pas moi qui guéris. Crois en Allah et j'invoquerai Allah qu'il te redonne la vue. Et il a recouvert la vue par la volonté d'Allah. Alors que ce jeune homme, c'est même pas un prophète, rien. Un homme pieux, alhamdulillah, qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont eu la foi et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand il est revenu chez le roi, il a vu qu'il voit. Il est voyant alors qu'il était aveugle. Il dit, qui t'a redonné la vue? Il a dit, mon seigneur, Rabbi. Il lui a dit, tu as un seigneur autre que moi? Il a dit oui, Rabbi wa Rabbuk, mon Seigneur et ton Seigneur, Allah. Alors, il l'a châtié jusqu'à qu'il le dirige vers le jeune homme.
Quand il l'a dirigé vers le jeune homme, ils lui ont dit « Qui t'a donné ces enseignements ?» Ils l'ont châtié jusqu'à ce qu'il le dirige vers l'ermite. Ils ont pris l'ermite, ils l'ont tué. Après, ils ont pris le jeune homme, il a ordonné son armée de le tuer. Ils l'ont emmené sur une falaise. Arrivé à la falaise, il a fait « Ya Allah, débarrasse-moi d'eux comme tu veux. Préserve-moi de leur mal avec ceux que tu veux. » Allah Ta'ala a fait bouger la falaise, ils sont tous tombés. Et lui, Allah l'a sauvé. Subhanahu wa ta'ala. Il aurait pu se sauver, mais il est revenu de lui-même vers le roi, vers le tyran. Il aurait pu se sauver pour sauver sa vie, mais lui, il avait un autre objectif derrière. Il est revenu vers le roi. Le roi a demandé qu'on l'emmène. On le noie, on lui met une pierre, on le noie. Il dit « Allah m'akfini bihim bimashit. Ya Allah, débarrasse-moi d'eux comme tu veux. » Allah Ta'ala a envoyé des vagues, ils se sont tous noyés. Et il a marché sur l'eau, il est revenu. Et il est revenu vers le roi. Il lui a dit « Tu ne pourras pas me tuer, sauf si tu réunis tout le monde et que tu prennes une flèche de ton carcan et tu jettes la flèche dans ma joue et tu dis « Bismillahi Rabbil Ghulam » au nom d'Allah, le Seigneur et maître de ce jeune homme. » Tellement ce roi et ce tyran étaient aveuglés par son désir de tuer ce jeune homme croyant, car il l'empêchait, il ouvrait les yeux aux gens par la volonté d'Allah et il empêchait les gens d'adorer de l'adorer lui en dehors d'Allah et d'adorer les sorciers en dehors d'Allah. Donc il a réuni tout le monde et il a dit Bismillahi Rabbil Ghulam. Il a jeté la flèche, elle est venue dans sa joue, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les gens qui étaient présents ont dit: nous avons cru dans le Seigneur et Maître de ce jeune homme. Alors les gens, les ministres lui ont dit: ce que tu craignais est arrivé. Et c'est là qu'il a fait des fossés. Et il a allumé le feu. Il ramenait les gens un par un devant ce feu. Et tous ceux qui ne voulaient pas renier leur foi, il les jetait dans ce feu. Jusqu'à arriver à une femme avec son enfant, son nourrisson dans les bras. Elle a hésité par miséricorde pour son nourrisson. Et Allah a fait parler ce nourrisson. Il a dit: « Ô mère, patiente, car tu es sur la vérité. » Allah Ta'ala a fait parler ce nourrisson qui ne parlait pas. Donc, elle a préféré être jetée dans le feu plutôt que de revenir sur sa foi. Donc voilà l'histoire de Ashab al-Ukhdud. Ce verset dont Allah Tabaraka Ta'ala dit ici: Qutila Ashab al-Ukhdud. Que périssent les gens de l'Ukhdud. Il parle de qui? Du roi, de ses alliés, de tous ces kuffars qui ont brûlé vifs les croyants à cause de leur foi. On voit dans cette histoire comment ce jeune homme, il a été prêt à sacrifier sa vie pour la guider des gens. Que pour lui, la guider des gens, elle était plus importante que sa vie. Et Allah tabaraka ta'ala l'a utilisé pour la guider des gens. Quelle récompense il aura auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Un des sens aussi, wa shahidin wa mashhud ici, wa shahid, c'est dans le sens des martyrs aussi. Donc en parlant de ces gens qui sont morts justement, les gens du fossé. Donc, qutila ashab al-Ukhdud, que les gens de l'Ukhdud périssent. An-nari dhati al-waqud, et par le feu plein de combustible. Donc ce feu-là qu'ils ont allumé pour châtier les croyants. Et en vérité, il est interdit à quelqu'un de châtier par le feu. Et comme il est dit dans le hadith sahih, ne châtie par le feu que le Seigneur du feu, subhanahu wa ta'ala. Ils sont venus rapporter ça à Ali ibn Abi Talib quand il a voulu brûler Abdullah ibn Saba, qui a voulu montrer l'islam, qui a été la cause de la fitna, qui a été la cause du meurtre de Uthman ibn Affan. C'est le premier Khariji qui est passé à l'acte, bien que Dhul Khuwaifirah a été le premier avec la parole. Donc, il a été une des causes de l'émergence de ces deux sectes en islam, les Khawarij et les Rafidah. C'est lui qui tournait dans les villes. Il disait: regardez Uthman, il n'est pas juste, regardez ce qu'il fait, il donne à ses proches. Il disait que les défauts de Uthman ibn Affan, jusqu'à il a réuni des gens, jusqu'au point où ils sont allés le faire tuer. Radiallahu anhu. Et c'est le premier aussi à avoir inventé des paroles fausses sur Ali ibn Abi Talib en disant c'est Allah qui s'est ressuscité en lui. Quand Ali a entendu ça, il l'a fait brûler. Il l'a attrapé pour le faire brûler. Dans une version, il est dit qu'il s'est enfui. Il n'a pas réussi à le brûler. Naam. Pour montrer d'où la religion des Khawarij, des Tekfiri, elle vient. Et d'où la religion des Rawafid Shia, elle vient. Le premier, la tête des égarés, la tête des deux grosses sectes de l'islam. Hada Abdullah ibn Saba. Naam. Donc, An-nari dhati al-waqud, par le feu plein de combustible. Donc pourquoi on a parlé du feu? Naam. Car le feu, c'est vraiment la chose qui est la plus douloureuse. Brûler quelqu'un vif, vous imaginez. Le plus grand feu de ce monde, il n'est que 1/70 du feu de l'enfer.
Mais malgré cela, brûler quelqu'un vif, c'est un châtiment vraiment douloureux. Naam. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis autour. Naam, tous ces mujrimin, le roi et les koufars avec lui qui étaient autour de lui, son armée et les ministres et ceux qui ont mécru avec lui, ils étaient autour du feu en train de regarder ce spectacle. Aucune miséricorde. Ils voyaient des gens se faire brûler dans le feu juste à cause du fait qu'ils ont dit la ilaha illallah, qu'ils ont cru en Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme on va le voir dans le verset. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Alors qu'ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants. Naam. Assis autour de ces fossés et témoignant, et le jour du jugement dernier, tout cela, ça va être aussi un témoin contre eux. Et pourquoi ils ont fait tout cela? Est-ce qu'ils avaient une animosité de dunya avec eux? Est-ce que c'est parce que ces croyants leur ont fait du mal? Est-ce que ces croyants leur ont volé quelque chose? Est-ce que ces croyants ont essayé de les spolier? Est-ce qu'ils leur ont menti sur eux? Ils ont triché? Quel péché ils ont fait? Aucun, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Alors qu'ils ne leur reprochaient que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange, subhanahu wa ta'ala. Et voilà, comme à toutes les époques, les croyants qui sont torturés, qui sont tués, qui sont exilés, qui sont critiqués. Tout cela, pourquoi? Juste parce qu'ils ont dit la ilaha illallah. C'est ce qu'il a dit aussi Abu Bakr, radiallahu anhu, quand ils ont voulu tuer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il appelait Allah. Allez-vous tuer un homme juste parce qu'il dit mon Seigneur est Allah, subhanahu wa ta'ala. Aussi, on voit dans ce verset qu'il peut arriver qu'Allah tabaraka wa ta'ala éprouve les croyants par les mécréants qui leur font du mal et qui les châtient, et qui les méprisent et qui les torturent, et qui les persécutent et qui les tuent. Là, subhanallah, comment ces croyants-là, Allah est capable de les aider, Allah est capable de les protéger, mais Allah, par sa sagesse, a laissé cela pour plusieurs raisons. Parmi ces sagesses, premièrement, c'est pour augmenter la récompense de ces croyants. Car en étant éprouvés dans la foi, en subissant des châtiments pour la foi qu'on porte, alors notre récompense, elle augmente. En leur donnant la récompense d'être des martyrs, bi'idhnillah, s'ils sont sincères. Et vous savez très bien que les martyrs sont une des plus hautes places en islam. En leur donnant le moyen, en subissant ces difficultés et ces châtiments, de quoi ? De se faire effacer leurs fautes et leurs péchés. Car vous le savez très bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, le croyant n'est pas touché par une fatigue ou une maladie ou une peine ou un malheur, ou ne serait-ce que l'épine qui le pique, sans que cela soit une cause d'effacer une partie de ses péchés. Donc imaginez-vous, quelqu'un est subi pour Allah d'être brûlé. S'il meurt patient, il a offert sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de péchés lui sont pardonnés? Parmi les causes aussi, parmi les sagesses du fait que Allah tabaraka wa ta'ala parfois donne la permission que certains mécréants ils torturent et ils fassent du mal à des musulmans, c'est pour que tout ceci soit une cause encore d'égarement encore plus profond pour les mécréants, et que ce soit une cause plus grande de leur châtiment, qu'ils subissent des châtiments encore plus durs pour leurs crimes qu'ils ont fait contre les croyants. Parmi les causes, les sagesses, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala de laisser parfois faire certains mécréants faire du mal à des croyants, c'est que ce soit aussi une leçon pour les croyants. Pour les croyants, quand ils subissent des épreuves, quand maintenant nous on lit ces histoires qui sont vraies dans le Coran, ou les histoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a subi la persécution, ou ses compagnons comme Khabbab ibn al-Arat qui s'est fait brûler le dos, comme Bilal, comme tous les sahaba qui ont subi, certains se sont fait tuer, certains se sont fait mutiler, tout ça pour leur foi, leur famille les a rejetés. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte qu'il y a eu auparavant des gens qu'on a sciés en deux pour leur foi, d'autres gens qu'on a brûlés dans d'autres gens qu'on a arraché la chair de leur crâne pour leur foi, et ils ne sont pas revenus sur leur foi. Donc tout ceci aide le croyant à patienter, aide le croyant à comprendre la sagesse d'Allah, aide le croyant à savoir que cette vie n'est qu'un passage, que c'est une vie d'épreuve. Et que si Allah a décidé cela pour ses bien-aimés et ses proches, qui sont les prophètes et les messagers, qui ont subi les pires des difficultés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, son ami intime, regardez tout le mal et les persécutions qu'il a subies,
Il en a sa dent, elle s'est cassée. Son casque, il est rentré dans sa joue, alayhi salatu wassalam. Il a perdu ses proches. Les gens, ils l'ont rejeté. Les gens, ils l'ont traité de menteur. Il n'y a pas pire pour quelqu'un de véridique qu'on traite de menteur. T'es quelqu'un, tu mens jamais, on te dit menteur. C'est une insulte insupportable. Pour les gens, menteur, c'est rien. Menteur, c'est normal parce que tout le monde ment. Pour toi, on traite de menteur, ça te fait presque rien. Mais quelqu'un de véridique qui aime le bien pour les gens, qui est sincère envers eux, tu le traites de menteur. C'est la pire des insultes que tu lui dis. C'est la pire des insultes de lui dire menteur. Tout cela, il l'a subi de ses proches, de sa famille, de ses oncles. Alayhi salatu wassalam. Tout cela, il l'a fait dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on entend cela ici, comment nous, on peut se plaindre après? Désespéré. Délaisser les ordres d'Allah. Alors que ces gens-là, avec tout ce qu'ils ont subi, ils ont tenu. Ils sont restés fermes. Ils ont avancé. Aujourd'hui, on entend des gens, pour un oui, pour un non, on m'a dit un mot de travers, ben, j'enlève mon hijab. Ah oui, il me regarde de travers au travail, je rase ma barbe. Pour des détails. C'est même pas vraiment, il n'a pas peur ni pour sa vie, ni pour sa personne, ni pour rien. Juste parce qu'on le regarde un peu de travers. Monsieur ne veut pas qu'on le critique, monsieur. Il veut que il passe à côté des koufars, ils vont l'applaudir, ils vont dire bravo. Eh, si t'attends que les koufars soient contents de toi, tu peux attendre longtemps. Car Allah tabarak wa ta'ala, ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à que tu suives leur religion. Regardez tous les arabes et les noirs de service, comme on dit, qui ont fait tout pour être acceptés chez eux. Jusqu'à maintenant, on les traite comme des bouffons. Comme les bouffons du roi. Le bouffon, c'est pas une insulte. Il y avait des rois, ils avaient des bouffons. C'est-à-dire quelqu'un avec des clochettes sur sa tête qui est là pour lui faire rire, pour lui dire tout ce qu'il a envie d'entendre. Aujourd'hui aussi, il y a des bouffons parmi les gens qui sont d'origine musulmane, qui sont venus pour dire tout ce que les koufars veulent entendre. Un kafir, il lui dit, dis-lui que le voile, c'est pas obligatoire. Lui, il se lève. Le bouffon du roi, il se lève, il dit, le voile, c'est pas obligatoire. Un autre, il lui dit, dis, on peut s'asseoir, on peut fêter la fête des koufars avec eux. Il n'y a pas de mal. Lui, le bouffon du roi, il se lève, il dit, on peut fêter la fête des koufars avec eux. Il n'y a pas de mal. À toutes les époques, malheureusement, on a des gens comme ça. Et on a d'autres, alhamdoulilah, ils sont fermes sur leur foi. Et ils ne vendent pas leur religion, leur honneur pour un vil prix de ce bas monde. Qui n'a même pas la valeur d'une aile de moustique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz, il-Hamid. Oh Allah qui est Al-Aziz. Donc Allah montre ici que Al-Aziz de puissance c'est lui. C'est-à-dire qu'il est capable de les châtier. Il est capable de défendre ses croyants. Et c'est ce qu'il va faire subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans le hadith al-Qudsi. Celui qui fait du mal à un bien-aimé, je lui déclare la guerre. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il se venge, mais il tend la corde à l'injuste. Il le laisse jusqu'à quand il l'attrape, il ne le rate pas, subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima. Inna akhdahu alimun shadid, subhanahu wa ta'ala. Donc, le croyant a la confiance en Allah, il patiente pour Allah, il attend la récompense auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, al-aziz, celui qui a la force et la puissance de se venger des croyants, subhanahu wa ta'ala. Al-Hamid. Il vient dans deux sens. Al-Hamid bima'na al-Mahmoud et Al-Hamid bima'na al-Hamid. Celui qu'on loue dans toutes les situations. D'ailleurs, le croyant, quand il lui arrive un bien, il dit Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et quand il lui arrive un mal, il dit Alhamdulillah ala kulli hal. Louange à Allah dans toutes les situations. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui est digne de louange, qu'on loue dans toutes les situations. On dit Alhamdulillah dans toutes les situations. Et on ne dit pas comme certains, ils disent, bin al-awam, louange à celui que seul lui on loue pour un mal. Non, car en disant ça, déjà on a laissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Alhamdulillah ala kulli hal. Deuxièmement, il y a des méfaits dans cette parole. C'est comme si tu dis ouvertement que c'est une chose que tu détestes ce qui t'est arrivé. Et then, tu montres que tu n'es pas radi, tu montres que tu n'es pas satisfait, car tu dis alladhi la yuhmadu ala makruhin siwa ay takrahu hadha shay. Donc tu dis que tu n'aimes pas cette chose-là, alors que normalement ce qui est demandé c'est de montrer la satisfaction. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah aime un peuple, il éprouve, il aime des gens, il l'éprouve. Celui qui est satisfait, il aura la satisfaction d'Allah. Celui qui est en colère, alors il aura la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on se tient à cela. On dit alhamdulillah ala kulli hal, la personne elle patiente pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle patiente dans l'obéissance d'Allah, elle patiente contre les interdits, elle patiente au moment des adversités, des moments difficiles de la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont douloureuses
Et il remercie Allah, il dit Alhamdulillah et ala kulli hal. Et il est satisfait de la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça Al-Hamid, Al-Mahmoud. C'est lui qui mérite la louange subhanahu wa ta'ala. Bila muqabil, même sans retour. C'est lui Al-Hamid subhanahu wa ta'ala. Allah, il mérite qu'on le loue ibtida'an, même sans les bienfaits qu'il nous a donnés, il mérite qu'on le loue subhanahu wa ta'ala. Alors qu'allons-nous dire avec tous les bienfaits qu'il nous a donnés subhanahu wa ta'ala? Al-Hamid dans le sens aussi Al-Hamid. Allah, il loue. Comme on dit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Quel sens salli alayhi? La prière d'Allah, c'est quoi? Comme il a dit Abu al-Aliya, c'est al-Thana. Allah, il fait les louanges du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès des anges. Il dit aux anges le bien, il loue le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès des anges. Aussi, Allah, il loue les croyants, comme le jour de Arafat, quand les gens sont tous là. Et Allah Ta'ala prend à témoin les anges. Et il les loue, il loue, il dit, regardez, ils sont venus de tout coin reculés. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et après, il prend à témoin les anges qu'il leur a pardonné. Donc, il les loue. Il dit du bien des croyants qui font des bonnes choses. Il parle, subhanahu wa ta'ala, en bien des croyants à ses anges rapprochés. Quand Allah aime une personne, il le dit à Jibril, alayhi salam, j'aime cette personne, aime-le. Et Jibril va dans le, il dit aux habitants des cieux, Allah aime cette personne, aimez-la. Et il est rendu sympathique dans le cœur des croyants sur terre, des bons croyants, des croyants sincères. Et quand Allah déteste une personne, il dit à Jibril, je déteste cette personne, déteste-le. Et Jibril dit aux gens des cieux, Allah déteste cette personne, détestez-le. Et il est rendu antipathique sur terre, dans le cœur des croyants. Naam. Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard, wallahu ala kulli shay'in shahid. Qui est notre créateur, subhanahu, d'avoir cru en Allah, le puissant et le digne de louange, auquel appartient mulku as-samawati wal-ard, la royauté des cieux et de la terre, wallahu ala kulli shay'in shahid. Et Allah est témoin de toutes choses. Naam. Tout ce qu'il y a dans les cieux, dans la terre, leurs habitants, ce qu'il y a entre eux, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas quelqu'un qui a la royauté et qui a la possession absolue comme Allah subhanahu wa ta'ala. Certains pourraient se dire, mais moi aussi je possède des choses, je possède telle chose, je possède une maison. Mais ça, ce n'est pas une possession absolue. Tu ne fais pas ce que tu veux dans ce que tu possèdes, dans ce qui t'appartient. En vérité, Allah tabarak wa ta'ala t'a donné la lieutenance dans cette chose. La preuve, tu vas mourir, tu vas le laisser. Tu l'emmènes avec toi? Non. Et la preuve que cela ne t'appartient pas, mais qu'Allah t'a donné la lieutenance dans cette chose, que c'est une appartenance, une possession déterminée par rapport aux droits des êtres humains, mais qu'en réalité, toutes ces choses appartiennent à Allah, même nous. Inna lillah, nous sommes à Allah, nous appartenons à Allah, même toi t'appartiens à Allah. Donc toi, est-ce que tu possèdes ça, appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, inna ilayhi raji'un. Donc tu lui appartiens, tu lui retournes, subhanahu wa ta'ala. Comme elle a dit, Umm Sulaym, quand elle a perdu son enfant, elle a dit à son mari, quand il est revenu, que dirais-tu de quelqu'un qui t'a prêté un bien puis qui l'a récupéré? Il a dit, oui, c'est tout à fait normal. Il a dit, alors réjouis-toi, Allah, il a récupéré ton fils. Car Allah ta'ala, tout ce qu'il y a sur cette terre, ça lui appartient. La preuve que toutes choses qu'on a, même les choses qu'on a, elles ne nous appartiennent pas complètement. Si tu viens, tu as une maison, tu la détruis sans raison comme ça, tu te lèves, tu la détruis. Tu as des vêtements, tu les brûles. Tu as de l'argent, tu le mets comme ça, tu le brûles. Tu as le droit de faire ça? Non, car l'islam a interdit de gaspiller les biens. Même si ça t'appartient, tu n'as pas le droit de faire ça. Et tu rendras des comptes sur cela le jour du jugement dernier. Même dans ce dunia, les gens ne te laissent pas faire ça. Ils viennent, ils t'attrapent, la police, elle t'attrape. C'était bien. Elle t'empêche de faire ça. Et ici, si par exemple quelqu'un n'utilise pas son argent comme il faut, ça c'est dans le monde musulman, mais même ici ça existe. Ils vont mettre une tutelle sur toi, une tutelle de l'État sur toi. Même ton propre argent, tu peux plus l'utiliser comme tu veux. Parce qu'en fait, on a dit, t'es fou, tu sais pas utiliser l'argent comme il faut. Donc il faut mettre une tutelle sur toi. Cet argent, il t'appartient, mais t'en fais pas ce que tu veux. Il y a quelqu'un qui va dire ce qui est bon pour toi, ce qui est pas bon. Parce que t'as plus la raison. Alors qu'Allah fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, dans sa royauté, dans ce qu'il possède. Tout ce qu'il a créé, il en fait ce qu'il veut. Il enlève la vie à qui il veut. Il donne la vie à qui il veut. Il élève qui il veut. Il rabaisse qui il veut. Il donne la royauté à qui il veut. Il enlève la royauté à qui il veut. Il rend riche qui il veut. Il rend pauvre qui il veut. Il donne la santé à qui il veut. Il donne la mort à qui il veut. Il met en enfer qui il veut. Il met au paradis qui il veut. Quelqu'un va demander à Allah subhanahu wa ta'ala? Personne. Car tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La possession absolue. Complète. Donc c'est lui subhanahu wa ta'ala qui possède toutes choses. Et il n'y a pas quelqu'un, aucune créature a en vérité la possession, la royauté comme Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais ce n'est qu'une mulkiya limitée, spécifique, pour une épreuve, pour un terme déterminé, pour un temps déterminé, pour un moment déterminé, dans un lieu déterminé. Quand ça sort, c'est fini. Tu sors de ces limites, de ces conditions déterminées, ça ne t'appartient plus. Et c'est pour ça que Yom al-Qiyamah, comme il est venu dans le hadith, parmi les questions que chaque serviteur va être, sur lesquelles il va être questionné, son argent, d'où est-ce qu'il l'a eu et où est-ce qu'il l'a dépensé? Comment il l'a dépensé? Si c'était tes biens, dans l'absolu, pourquoi Allah il te demande où tu l'as dépensé si ça t'appartient? Donc c'est une preuve que tu n'es qu'un lieutenant dans ces biens qu'Allah Ta'ala t'a donné à ta disposition. Non. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Ici, Allah Ta'ala rappelle aux mécréants qu'il est témoin de toutes choses. Et aux croyants aussi, le croyant pour qu'ils craignent Allah, et aux mécréants, il leur rappelle qu'Allah est témoin de toutes choses, il est témoin du mal qu'ils font aux croyants, il est témoin de leur injustice qu'ils font aux croyants, du crime qu'ils font. Donc, c'est lui qui est capable aussi de les châtier, subhanahu wa ta'ala. Puis, après justement leur avoir rappelé qu'il était témoin de tout ce qu'ils font, il les met en garde. Mais subhanallah, même dans cette mise en garde, vous allez voir comment Allah tabaraka wa ta'ala est miséricordieux. Il dit subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala ici met en garde ceux, fatanou ici, c'est dans le sens brûlé. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit, yawmahum ala nari yuftanoun, le jour où ils seront brûlés dans le feu. Le mot fitna, ça vient de, en arabe, le fait de tester l'or et l'argent par le feu, pour voir est-ce que c'est vraiment de l'or ou vraiment de l'argent. C'est pour ça que la fitna, il y a une chaleur dedans, une difficulté, ça brûle, ça fait mal, c'est difficile. La tentation, naam. C'est pour ça que la tentation, elle brûle. Le feu de la tentation, on dit le feu de la tentation, n'est-ce pas? Car la base du mot, c'est ça. C'est qu'on teste l'or avec l'or et l'argent avec le feu pour voir est-ce que c'est vraiment de l'or ou de l'argent. Donc Allah Ta'ala parle de ces gens qui ont brûlé et qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis qui ne se repentent pas. C'est-à-dire même ces gens-là qui ont brûlé des croyants, qui ont traité de mensonges, Allah leur ouvre la porte du repentir encore. Subhanallah, comment Allah est miséricordieux. Même malgré leurs égarements, malgré leurs crimes, malgré le mal qu'ils ont fait aux croyants, est-ce qu'il y a plus mal que faire des trous, brûler les croyants dedans? Allah tabaraka ta'ala encore leur ouvre la porte. C'est-à-dire, s'ils se repentent, ils n'ont pas ce châtiment. Il leur ouvre encore la porte du repentir. Et le repentir, il a 5 conditions pour être accepté. Premièrement, le regret, et c'est la condition essentielle du repentir. C'est le pilier le plus grand du repentir, le regret. C'est la base. Quelqu'un qui ne regrette pas, il ne peut pas se repentir. Le regret d'avoir désobéi à Allah. La deuxième condition, cesser sur le champ ce péché. La troisième condition, mettre l'intention de ne plus jamais y retourner. La quatrième condition, la sincérité dans se repentir. C'est-à-dire, il ne veut pas, en apparence, il se repent pour ses parents, pour les proches, il est « Ah oui, je me repens », mais il n'est pas sincère, il ne le fait pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. La cinquième condition, que se repentir soit dans un moment où le repentir est encore acceptable. C'est-à-dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le repentir est acceptable tant que le soleil ne se lève pas à son coucher. Aussi dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'est pas aux affres de la mort. Parce qu'au moment où il est affres de la mort, et il voit les anges, il voit les châtiments, ça y est, c'est trop tard. Et c'est ce qui s'est passé pour Pharaon. Quand il était sous le châtiment, quand la mer, les vagues allaient se refermer, la mer se refermer sur lui, qu'est-ce qu'il dit? J'ai cru au Seigneur auquel ont cru Banu Israël, le peuple d'Israël, et je suis parmi les musulmans. Pourquoi il a dit le Seigneur de Banu Israël? Parce que c'est ceux qu'il a combattu. Mais c'était trop tard. Est-ce que c'est maintenant, comme il est venu dans le Coran, est-ce que c'est maintenant que tu crois, maintenant que tu es sous le châtiment, maintenant que ça y est, c'est fini, la mort, elle t'arrive? Alors que tu étais un désobéissant et un criminel et quelqu'un qui dément, qui traite de mensonge? Non. Ce verset, il met en garde toute personne qui voudrait faire du mal à un croyant, que ce soit un kafir ou même un musulman. Car l'honneur du croyant et le croyant en général, son sang, son honneur, ses biens, ils sont sacrés. Et celui qui veut lui faire du mal, qui veut l'éprouver,
Alors voilà ce qu'Allah lui a promis. Voilà ce qu'Allah lui a promis, qu'ils auront le châtiment de la Jahannam et qu'ils auront un châtiment brûlant et terrible et douloureux, qui est le supplice du feu. Donc la personne doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, faire attention de ne jamais être injuste, de faire des injustices. Même à un kafir, on n'a pas le droit de lui faire de l'injustice. Dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah accepte la dua, l'invocation d'un opprimé, même s'il est kafir, même il est mécréant. Même un mécréant, si tu lui fais de l'injustice, Allah il accepte ses dua. Donc, le musulman, il doit être le plus juste possible. Ne jamais faire d'injustice. Car l'injustice, c'est de l'obscurité le jour du jugement dernier. Ce sera une cause de perte et de regret, mais il sera trop tard. Naam. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Après avoir cité le châtiment de ceux qui ne se repentent pas, de ceux qui punissent et qui font subir des supplices aux croyants, il a cité de l'autre côté la récompense de ceux qui se repentent, la récompense des croyants, la récompense de ceux qui ont, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, cela est le grand succès. On a déjà parlé de ça, que le vrai succès et le grand succès, c'est de gagner le paradis éternel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni fatigue, ni maladie, ni mort, ni vieillesse. Le grand succès éternel, c'est pas comme les succès ici de ce bas monde qui n'ont aucune valeur. Tu vois des gens courir et crier, Allah Akbar, on a gagné. Comme on a dit la dernière fois, subhanallah, ma'al asaf. Et on voit des musulmans, là, un pays entier, juste parce qu'ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde, ils ont fait une fête, tout le pays, ils ont embrassé les cars, ils ont fait Allah al-Musta'an. Pour un ballon qui va d'un côté à l'autre côté du terrain. On a gagné. T'as gagné quoi? T'as gagné le paradis? T'as été sauvé de l'enfer? T'as pris ton livre de la main droite? Qu'est-ce que t'as gagné? Le vrai succès, c'est quand on va te dire que tu es sauvé du feu de l'enfer. Celui qui a été éloigné de l'enfer et qui est entré au paradis, c'est lui qui a réussi. Et la vie de ce bas monde n'est qu'un amas d'illusions, comme Allah Ta'ala a dit. Donc ici, Allah Ta'ala parle de cela. Voilà le grand succès. C'est celui qui a la foi. Et la foi, elle consiste à ce qu'il y a dans le cœur, ce qui est dit par la langue et ce que les actes font. Inna batasha rabbika lashadid, innahu huwa yubdi wa yu'id, wa huwa al-ghafur al-wadud. Puis Allah tabaraka wa ta'ala met en garde, la prise, la riposte de ton Seigneur est redoutable. Toujours Allah tabaraka wa ta'ala lit entre la mise en garde et la promesse. La mise en garde contre ceux qui veulent s'obstiner et la promesse pour ceux qui veulent être soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc effectivement la riposte de ton Seigneur est redoutable. Quand Allah il a décidé de riposter ou de châtier un peuple, personne ne peut retenir sa riposte, son châtiment. Toutes les peuplades qui sont passées avant nous, regardez ce qui s'est passé sur eux. Tous ceux qui ont voulu s'enorgueillir envers Allah. Regardez le peuple de Had, qui était fort, qui arrachait des arbres avec un bras. Ils ont dit, man achadu minna quwwa, est-ce qu'il y a plus fort que nous? Allah Ta'ala il les a humiliés et les a châtiés avec quelque chose d'imperceptible, le vent, invisible. Un vent est venu, ils sont devenus comme des feuilles de palmier séchées jetées au sol. Comme rien du tout. Les gens qui croyaient qu'ils étaient forts, qui opprimaient tout le monde et qui arrachaient les arbres avec une seule main. Allah Ta'ala, regardez ce qu'il leur a fait. Subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit tout à l'heure, tous les hadiths, comment Allah il prend l'injuste, comment Allah il lui tend la corde, mais quand il l'attrape, il ne le rate pas. Subhanahu wa ta'ala. Comme dans sourate Hud, il a dit وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. C'est certes lui qui commence la création et la refait. Naam, c'est lui seul, subhanahu wa ta'ala, qui a commencé la création de rien du tout, qui a créé l'univers de rien du tout et les créatures de rien du tout, et qui va la refaire. Le jour du jugement dernier, il va les refaire sortir et il va leur redonner vie. Comme il leur a donné vie une première fois à partir de rien, il va leur redonner vie une deuxième fois pour le jour du jugement dernier. Et c'est lui le pardonneur, celui qui pardonne les péchés à celui qui revient vers lui et qui se repent. Al-Wadud, l'affectueux, on pourrait dire, celui qu'on aime, subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui mérite d'être aimé. Et l'amour d'Allah, c'est la base de tout bien. Une personne qui a l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son cœur, cet amour-là, il le pousse à toutes les bonnes actions et il l'éloigne de tout mal. C'est la tête de tout le bien, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de l'amour d'Allah et de son messager comme
une douceur, à goûter à la douceur de la foi. C'est une douceur qui est mieux que le miel, le sucre, que toutes les douceurs que quelqu'un peut connaître. Celui qui goûte à la douceur de l'amour d'Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à goûter à la douceur de la foi, celui qui a agréé Allah comme Seigneur, et l'islam comme religion, et Mohammed comme messager et prophète. Dans un autre hadith, trois caractéristiques, celui qui les possède, il goûtera par leur cause à la douceur de la foi, qu'il aime Allah et son messager plus que toute chose, que quand il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah, et qu'il lui répugnerait de retourner dans la mécréance, comme il lui répugnerait de se voir jeté dans le feu. Donc c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on doit aimer, et c'est lui qui aime. Il aime ses serviteurs pieux, il les aime subhanahu wa ta'ala, et il les récompense beaucoup plus que ce qu'ils méritent, par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Dhul arshil majid. Dhul arshil majid, le maître du trône. Il y a une différence entre le trône, l'arsh, et le kursi. Souvent, les gens, ils traduisent le verset Ayat al-Kursi par le verset du trône. C'est une erreur. Al-Kursi, comme il a dit Ibn Abbas, ça se traduit par le repose-pied. Donc, on dira le verset du repose-pied et non pas le verset du trône. Car le repose-pied dans le trône, c'est comme une bague dans les déserts. Et les sept cieux et les sept terres dans le repose-pied, c'est comme une bague dans le désert. Et ça, c'est une créature d'Allah, l'arche. Comment Allah, tabaraka ta'ala, son immensité, subhanahu wa ta'ala, sa grandeur au-dessus de ses créatures. Et il n'y a rien qui lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Non. El-Majid, le tout glorieux, subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a la gloire, l'immensité. La gloire, Allah, il la donne aux croyants pieux, à ceux qui s'attachent à sa religion. Et comme on va voir après aussi, le Coran aussi lui donne cette caractéristique. Coran ou Majid, le Coran glorieux. Dans quel sens? Comme Allah est le tout glorieux, celui qui s'attache à son Coran sera glorieux et aura la gloire et la victoire. Quand les musulmans ont laissé l'attache au Coran, ils ont perdu la gloire et ils ont gagné à la place l'avilissement. Mais quand ils étaient attachés au Coran et à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, ils avaient cette gloire qui est avec le Coran. Car le Coran, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est lui-même le tout glorieux, subhanahu wa ta'ala. Fa'alul lima yurid. Il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Il n'y a personne qui peut contraindre Allah à rien du tout. Personne ne lui demande pourquoi il a fait ci et comment il l'a fait. Mais c'est eux qui seront questionnés. Il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et il a voulu nous créer dans ce monde et nous éprouver et nous questionner. Et une partie au paradis, une partie en enfer. Est-ce que quelqu'un peut y changer quelque chose? Non. Donc la seule chose à faire, c'est se plier et se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après avoir parlé de ses qualités, de ses attributs, qu'il fait ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala, qu'il a toute la puissance, il montre comment justement sa puissance s'est manifestée. Hal ataka hadithul junud fir'aun wa thamud? T'est-il parvenu le récit des armées de Pharaon et de Thamud? C'était des grandes armées, puissantes, mais est-ce que leur récit est parvenu? Comment Allah les a détruits? Comment Allah les a réduits à néant? Comment devant la puissance d'Allah ils n'ont été rien du tout? Balilladina kafaru fi takdhib. Mais malgré tout cela, ceux qui ne croient pas persistent à démentir le Coran, à démentir le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu min waraihim muhita. Alors qu'Allah est derrière eux et il les cerne de toutes parts. Naam, Allah il les cerne par sa science. Allah il les cerne par sa puissance. Allah, il les cerne par son châtiment qui peut leur tomber à l'instant où Allah a décidé. Subhanahu wa ta'ala. Et non pas, comme certains philosophes pourraient dire, Allah les cerne de tout sens, c'est-à-dire par ça, par son entité. Non. Allah ta'ala, il est au-dessus de ses créatures. Il ne se mélange pas à ses créatures. Il est établi sur son trône, subhanahu wa ta'ala, d'une manière qui lui incombe à lui. Subhanahu wa ta'ala, et aucune créature ne lui ressemble. Mais il englobe et il entoure par sa science, par sa puissance, par sa volonté, tout ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et là, en l'occurrence, les mécréants et les criminels qui sont englobés et ils sont cernés par la science d'Allah et sa puissance qui peut les attaquer à n'importe quel instant. Wallahu min waraihim muhita. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfouz. Mais c'est plutôt un Qur'an glorifié. Donc comme Allah, c'est lui le tout glorieux, le Qur'an qui est sa parole est glorifié. Et ceux qui s'y attachent seront glorifiés. Et ce Coran, il est élevé, il est énorme. Tout ce qui est venu dedans est élevé et est glorifié. Ce sont des règles élevées au-dessus du mal, qui sont des règles pures, qui sont venues justement élever l'être humain de l'état le plus bas à l'état le plus élevé, à être des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui s'attachent au Coran seront glorifiés. Ils auront le majd, la gloire. Quand la Ummah
du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est détaché du Coran et de la Sunna, alors ils ont eu la petitesse, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, et il a été écrit l'avilissement et la petitesse à celui qui désobéit à mon ordre, et que prennent bien garde à ceux qui déconviennent à son ordre, qu'ils ne soient touchés par une tentation, par un châtiment, c'est-à-dire le kufr, ou un châtiment douloureux. Fi lawhim mahfouz, préservé dans une tablette auprès d'Allah. Naam. Lawhim mahfouz auprès d'Allah, les tablettes gardées qui sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est la parole d'Allah. Il a parlé, il les a prononcées, les lettres et les mots du Coran subhanahu wa ta'ala. Et ils ont été écrits dans les tablettes gardées. Puis ils sont descendus, Laylatul Qadr, de la tablette gardée au ciel le plus bas. Puis ils ont été révélés pendant 23 années au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon les différentes situations. Naam. Voilà ce que l'on peut dire. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa qur rabbi zidni ilma.